Sachez que le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker, est arrivé cet après-midi à Darla. Il a souligné que la décision des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble du Sahara marocain ouvre des opportunités pour une coopération plus étroite entre les deux pays. Et avant cela, le responsable américain était à Laayoun. David Schenker a atterri ce matin dans la capitale du Sahara marocain. Une visite symbolique qui intervient au mois après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis. David Schenker a été accueilli par le wali de la région, Laayoun Saki Alhamra. Le sous-secrétaire d'État américain a ensuite effectué une tournée dans la ville de Laayoun, en particulier le quartier diplomatique qui abrite les consulats de plusieurs pays. Il s'est également rendu au siège de la mission des Nations Unies au Sahara. Yeah.